quand tu t'effaces, tu le laisses faire son travail. Amen. Mais Dieu a besoin de toi pour que tu sois son instrument par lequel il va utiliser. Amen. Là, tu vas lui servir parce que tu es son instrument. Nous allons nous mettre debout, nous allons tout laisser. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est avec nous. Demande-lui de te donner la capacité, toi aussi, de parler de sa part. Amen, amen. Parce que Dieu a besoin de nous tous. Personne ne peut vous dire que non, moi je suis comme moi. Oh, moi je suis éloquent. Moi quand je parle, je peux convaincre. Non, si ça vient pas du Seigneur, même si tu as le beau français, même si tu as un bon langage, mais personne ne t'écoutera. Parce qu'il n'y aura pas le Saint-Esprit. Voilà, nous allons prier. Enfin, que le Saint-Esprit nous donne, nous mette la parole, sa parole à nous, pour quand on parlera de la part du Seigneur, que ce soit une parole qui va toucher. Que Dieu sait. C'est faire cette grâce. Nous ne le faisons pas pour nous, mais nous le faisons pour lui. Voilà, nous allons pour recevoir, nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre bénissant Père, nous te prions, Seigneur, à mettre la parole à nous, à nous enlever la force, afin que quand on s'élève en face de ta part, Seigneur, que ça soit passé par notre bouche qui parle, bouche de grâce, nous enlever la parole à nous, enlever la parole à nous, Seigneur. Père éternel, je te prie de mon cœur. Père, à écouter la prière de tes enfants, Seigneur. Père, laisse que toute personne qui mettra cette parole en pratique, Seigneur, que tu viennes sur lui. Nous voulons te servir. Et nous servons à nos enfants. Ça, la puissance de ton esprit. Et toi, Père, laisse que ton esprit prenne place dans notre vie, dans la vie de tout un chacun, Seigneur. Enfin, que quand on s'élèvera pour parler de ta part, Seigneur, que c'est ton esprit qui parlera, enfin, à notre place. Adressé ce matin. Laisse que ta grâce règne dans la vie de tout un chacun, Seigneur. Et ceux qui ont des problèmes, des amis, ceux qui sont malades, qu'ils reçoivent leur guérison en même temps, à travers cette parole, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen.